Donc, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient ton retour, c'est quand que tu reviens sur mes Ah vlogs, ouais. le retour de Seb, c'est quand il vient, on veut le voir rager de nouveau là sur ses Ouais, fails. je suis là, ouais, Il par est là les amis, il est là! contre, je vais travailler pour éviter voilà, ces écarts de comportement. Bon, et eh ben re-bienvenue à Donnery. Donc là on vient de faire le Grand Prix, enfin je viens de faire le Grand Prix, j'ai joué 3 jours de golf juste avant. Je joue très bien en ce moment, j'ai très bien scoré mon Grand Prix, donc je me la pète pas souvent, mais là je peux me la péter, je joue bien. Donc ça va être un bon vlog, on est parti pour un match play avec Seb. On va au moins essayer de faire 11-12 trous parce qu'on est tard le soir, hein, il est 18h30, enfin il est pas tard mais la nuit risque d'arriver assez vite. Seb, t'es 16 d'index, Ouais. moi je suis 10 d'index mais je joue très bien, donc je vais vraiment te rendre tes 6 points. Donc je Vas-y. te rends 6 points sur 18, donc sur 12 trous je vais te rendre 4 points, est-ce que ça te va? Ouais, c'est rien. Donc Seb a le droit à 4 points sur 12 trous, il les prend quand il veut. Voilà, c'est la règle. Ah, c'est moi qui dis. Tu décides quel Au trou tu début veux du prendre les points, trou, ouais. c'est moi qui dis. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, Mais avant de taper ton coup, hein, bien je sûr. dis au début. Ah bah oui. Ok. Ah, mais Bah faut oui. donner les règles avant de partir. Ah bah voilà les Ah, règles. c'est clair. C'est C'est clair. clair? Eh Ouais. ben c'est parti, allez. Donc on est parti pour un retour de Donnery, hein. Là il y a du foot golf, c'est un par 4 qui est assez dur, c'est le plus dur du parcours, il fait 350 mètres dogleg gauche, compliqué, hein. Faut vraiment taper loin et en draw pour choper la régule. Donc bois 3, le vent va aider, il vient de la droite, donc c'est parti. Oh là là, le push! Je sais pas. Ouais, j'ai pas vu. On verra bien. Ah, je la prends complètement à la pointe. Ok, donc Seb prend son coup rendu. Il dit ça après que j'ai fait ma merde. Non, mais ici. Bon, mais c'est vrai, il est dur celui-là, non, t'as raison. C'est handicap 3. Ouais, oui. Beaucoup, quand Il n'y a même. pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon pour cette fois. Oh putain. Oh, merci d'être solidaire. Attends. On la voit, c'est bon, elle n'est pas perdue. Ah, c'est plus que solidaire. Elle est par là-bas. Bon, elle s'est pas perdue parce que je vais mettre une provisoire. Hein. Oui, je l'ai vu, elle est au pied d'un arbre, on l'a trouvée. J'avoue, t'aurais pu en profiter de mon départ vraiment merdique. Ouais, mais là. La provisoire, c'est une 37. Ah putain, dans la forêt. Je pense que tu vas prendre le trou, Seb. Ouais, mais je suis mal parti quand même. Hein. Elle est en plein dans la forêt. Le drone sort pas. On retrouve Seb après son super départ. Il va essayer de se remettre sur le bon fairway. Enfin, déjà le bon rough, ce serait bien. Ah, c'est bien recentré. Allez, avance. Tu es sur le fairway, bien joué. Donc ma balle est là-dedans. Hein. Sachant que le fairway est par là-bas, je vais la dégager. Enfin, j'ai pas de bol, j'ai bien joué tout le week-end et là je commence par faire n'importe quoi. Allez, je joue vraiment mal en vlog. Il faut qu'elle monte quand même un peu. Je vais prendre le 58 pour la sortir du fossé, tout simplement. Voilà, c'est sorti. Ce que je voulais qu'elle sorte, elle est sortie. Là, il est pas génial, hein. Elle est assez enterrée dans le rough. Je vais essayer de la dégager à l'hybride, mais ça va être compliqué vu le lie. Hein. Bon, bah, elle est sortie, tiens. Ouais, c'est pas mal. Et elle est bien sortie en plus. Hein. Bien ça, bien Thomas. Allez, troisième coup de Seb. Il a pris un fer. Je pense qu'il va se lay-up. Il a un coup rendu ici. Yes. Ouais, c'est un lay-up. C'est pas bien tapé, mais ah, elle est un peu longue à droite. Hein. Elle est un poil longue à droite, dommage. Lay-up de Seb hein, qui échoue à droite. Alors, il est là en 3. Moi, je suis là-bas sur le fer en 3. Mais lui, a un coup rendu. Ah, est-ce que t'as un angle? Non. Ouais, compliqué. Hein. Drapeau est là-bas. Ça passerait, mais t'as 2 cm entre les deux arbres. Oh là là. Ouais. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire. Tu vois, tu te mets devant moi. Et avec le coup rendu, en fait, là, on est égalité. Hein. En fait. Allez, 40 mètres pour choper le drapeau. 58 degrés. Oh putain, c'est gras, mais. Ah, c'est très gras. Oh là 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 là. Eh ouais. Compliqué ce début de vlog. Et du coup, Seb, je pense qu'il a plus 30 mètres lui. Ah ouais, c'est mieux fait hein. Ah, c'est méga court. Ah, il va manquer un peu mais écoute, c'est mieux. Non, c'est mieux. Allez, on est laborieusement là en 4. On va reprendre le 58, c'est parti. Ah, c'est court. Non. On joue pas bien là. On joue vraiment mal, hein. Ça reflète pas du tout notre niveau mais donc on est tous les deux là en 5. Donc voilà. Allez. C'est bien fait, c'est bien dosé. C'était un bon pote, hein. C'était bien dosé. Ah, joli!
double bogey sauvé. Putain, je pote le feu. Joué. Tout ça, il faut que je rentre pour égaliser. Non, là, il faut. Bah, Seb doit rentrer son pote pour faire square à ce trou-là, quoi. Ben c'est bien, ça le met un peu sous pression là, parce que Seb il est un peu trop confiant à chaque fois là sur le putting. Ah, j'espère que ça lui aura rappelé qui est le. Qui peut être le patron. Ah, bien puté. Allez, square. Allez, square, ouais. Bon, c'est un trou vraiment laborieux, on a vraiment. Ce qui est bien dans la formule, c'est que ça peut être serré. Oui, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas en stroke déjà, ça c'est bien. Parce qu'on a vraiment joué comme des chèvres. Là j'ai même perdu la provisoire, hein, donc j'ai pas perdu une balle du Grand Prix, j'ai bien joué. J'arrive là, je me dis je vais tout éclater. Seb, je vais le manger, ben non. Donc non, ça qui est bien en golf, c'est que c'est toujours différent et assez souvent inattendu, tu vois. Quand tu joues bien, tu t'y attends pas, et quand tu joues pas bien, bah tu t'y attends encore moins. Tu vois. Parce que tu te dis j'ai tout compris au golf, c'est bon, c'est réglé, et ben non. Allez, donc square. Allez, trou numéro 11 de Donnery, donc c'est un par 4 qui fait 270 mètres dogleg gauche. On va tourner en fait autour de ces arbres et le green est par là-bas. Donc idéalement ici, il faut taper ici, pas trop loin, on a leur limite là. Et en draw. Donc ça sera hybride pour moi. Oh non le... Ah ça va faire. Ouais, ça peut passer. Hein. Moi je pense. Ça peut passer, c'est un peu trop hooké mais ça peut passer. Allez Seb, faire 5. T'as vraiment beaucoup d'essai en fait. Ouais. Ton coup d'essai il est smooth et par contre dès que t'es à la balle, tu forces et. Peut-être y a ça ou. Ah mais je te dis. Ton... à l'adresse qui est pas si parfaite que ça. Bah là t'étais parfait pour moi. Donc applique-toi s'il te plaît là. Bah elle est belle. Ouais. C'est un trait. Magnifique. Superbe. Donc ma balle est juste là, hein, le drapeau vous l'apercevez. Il est exactement à 125 mètres. Il est entré du green. Il y a un petit vent de face, donc je vais rythmer vraiment à faire 7 pour être certain de faire la longueur. C'est parti. Surtout que c'est très humide, hein, il n'y a vraiment aucune roule aujourd'hui. Oh, c'est à gauche. Bunker de gauche. C'était bien tapé, mais à gauche. Vas-y, Seb, dis-moi tout. Moi, j'ai un 8. 8. T'as 115, 120, j'imagine. Ouais. Eh ben, allez, good luck. Ouais, ça part bien, mais le vent l'emmène un peu à droite. Ah, t'es allé couper en fait. Elle devrait rester un peu. Ouais, t'es green, superbe. Tour un peu de 2-6 mètres, je pense. C'est coupé, en fait. Ouais, mais le vent emmène vachement à droite, hein. Y a pas que le cut, je pense. Ouais. Donc, les amis, ma balle est là dans le bunker. Le problème, c'est qu'elle est collée au fond, le drapeau est là. Donc, j'ai très peu de green pour m'arrêter. En plus, c'est en descente. Et je vais avoir un stance compliqué. Seb est en régule sur le green, donc bravo à lui. Et il a un pote de 6 mètres hein, pour le birdie, donc il va vraiment falloir tout donner là. On peut pas faire beaucoup mieux quoi. Allez, on a un pote pour le par, c'est cool. Alors voilà, hein, donc Seb est là-bas, pote pour birdie. 6 mètres à peu près. Moi je vais avoir ça, donc 2,50 m je pense pour le par. Ouais, ça avance, ça avance. Très bien poté. Bien joué, one up pour Seb. Voilà, donc il y a un abonné, donc ça fait toujours plaisir de vous rencontrer. Donc, Non, non, mais c'est et puis c'est vivant, c'est hyper actif. Ah, c'est spontané en fait, il y a c'est pas spontané, voilà. C'est de l'impro en fait. C'est, oui, 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 c'est non, spontané. C'est sur le moment, quand je suis dégoûté, bah voilà, ça ressort à la caméra. Oui, oui, et moi je connais bien Donnery et j'ai joué aussi à Vaugoire et puis à Augerville. Augerville, ouais, super ce parcours. Qui est, hein. ce qui est quand on on est quand t'es en hauteur là. C'est, ouais, ouais. Augerville, hein, si vous êtes de passage en région parisienne, c'est vraiment un must doux. Il faut le faire. Oui, oui. Augerville, il faut le faire parce qu'il est magnifique et en plus il est pas cher. Il y a personne. Non, non, non. Et j'y étais il y a pas très longtemps en fait avec deux copains. Ouais. Et c'était on s'est régalé. Ouais, bah, on a déjeuné. Ben, j'ai vu l'apéro, mais en fait finalement c'est les restos qui vous ont offert l'apéro. Non. Si. Non, 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 ah, pas du tout, ah, non, non, ah, non, non, on se fait pas, non, non, c'est pas offrir l'apéro, non, 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 non. Bonne continuation, Lucas. Merci. C'est trou numéro 12 de Donnery, donc Seb est one up, il a fait un bon départ, il a touché le green en régulation, deux potes, donc bravo à toi Seb, même si ton premier pote était pas terrible, mais bon. Mais c'est pour faire sublimer le deuxième, ouais. En fait c'est une stratégie, ça dépend des fois. Le deuxième était magnifique. Bon, donc, des fois je me mets donné, des fois je me mets du travail. Ouais, mais à chaque fois, bon, un mètre ça te fait pas peur. Donc par 3, à peu près 115 mètres, vent de face, donc allez, c'est parti.
C'est à toi, hein? Ouais, ouais, j'y vais, j'y vais. Il est pas habitué à mener ou quoi, là? C'est mal touché. Ah, le bruit était dégueulasse. Ouais, tout pareil que Seb, faire neuf pour ma part. Ouais, c'est mal tapé pareil, hein. Ouais, c'est sur le green, il n'y a pas de danger. Allez. Deux greens en régulation, mais c'est pas très beau. Donc sur le green, il y a ma balle qui est là-bas. Un bon pote de 10 mètres avec des pentes de partout. Seb est pré-green, mais c'est pas bien méchant. Il est à peu près à la même distance, je pense. Donc c'est parti. Après le trou, du 7 pour égaliser, ça va pas être simple, hein. Il y a quand même il y a 3 mètres, hein, 3 mètres 50 je pense. En fait, il avait pas vu que ça dévalait après le trou, donc voilà. Ah ouais, bah ouais, j'étais de l'autre côté là-bas. En même temps, quand on n'est pas sur le green, c'est plus dur de doser. Hein. Ah, c'est bien attaqué, dommage. Allez, donnez pour bugger. Allez, départ du trou 13 de Donnery, donc on est repassé square avec Seb. Un par 4 de 300 mètres, léger dogleg droit, donc le green dans la direction de ces bosquets là-bas. Le plan là, on a le vent qui aide un peu, qui envoie un peu sur la gauche. Je vais prendre le drive et essayer de faire un tout petit fade. Alors j'ai un défaut en ce moment au drive, c'est que je fais des hooks. Donc on va volontairement ouvrir un peu plus la face. C'est parti. Ah, elle est énorme, mais elle est à gauche. Oh, il y a peut-être moyen qu'elle s'arrête avant les arbres, mais... Eh Seb, pareil, hein. Driver. Est-ce que tu prends un coup rendu? Non. Pas de coup rendu. Ah, je fais sur le suivant. Ça marche. Ah, c'est beau. Ah, c'est bas à gauche, mais ah, ça va aller. Il y a le bunker là-bas. Stop, stop, stop. Tellement moche. Tu t'es raté dans le ref. Trouve Seb dans le ref. C'est un sacré vent avec là. Ouais, t'as vent avec, il y en a un peu à gauche. 135 sont là-bas, donc je pense que t'as encore 170 entrée green. Peut-être 175, 180 drapeaux qui est tout au bout là-bas. Tu pars pour un allez-hop? Ouais, ouais, je vais jouer devant là-bas à gauche. Hein. Ça marche. Ouais, parfait, écoute. Ouais, dommage que ça prend pas plus le vent. Mais... Ah, regarde, tu vas avancer en plus. Je vais où j'ai dit. Hein. Oh, il va au green. Tu vas quasiment au green. Joli. Au green à gauche. Bien joué. Les amis, je suis mal. Je suis là, donc à gauche dans le rough. Le drapeau est au travers de ses branches. J'ai à peu près 20 cm de hauteur pour passer. Autrement dit, il faut la stingeriser. Je vais prendre l'hybride, faire un stinger, hein. J'ai pas le choix, là il est pas terrible mais j'ai pas le choix. J'ai 100 mètres pour aller au green donc faut qu'elle roule. Bon, ça va pas au green? Ouais, j'ai une approche au-dessus d'un bunker, ça va, c'est pas pire. Donc ma balle est là, on a mon coup préféré, le lob shot au-dessus d'un bunker. J'ai à peu près 15 mètres à voler, très peu de green pour m'arrêter donc c'est vraiment mon coup préféré, c'est parti, 58 degrés. À la fine Mickelson, oh yeah. T'es prêt Seb, je vais te faire rêver. Ouh. Ouais, c'est passé. Elle a failli être courte. Ouais, bien joué. Oh putain, elle est quasi donnée quoi. J'ai eu de la réussite. Ouais. Enfin, j'ai eu du talent quoi, voilà. C'est tout ça. Pour le coup, je l'ai vraiment fait rêver. Hein. Allez, on va retrouver Seb pour son chip. Top. Ah ouais, c'est pas mal fait. Tu sens que comme le green est mouillé, elle mord pas tant que ça. Ouais, c'est un peu à droite. Bon, Seb me la donne pas, mais c'est normal. Hein, parce que c'est un pote en descente, il est pas rentrable extrêmement facilement. J'aurais fait pareil. Mais quand même, vu que j'ai fait une belle approche, t'aurais pu me la donner, je trouve. Mais bon. Oh. Ah, je l'ai pas bien joué, franchement. T'as vu la jouer morte dans le trou? Ouais, parce qu'il y avait un peu de pente, mais non, c'était mal joué. Plutôt. Oh là là là. Ça, c'est con parce que... Mais bon, en même temps... Il y a vraiment beaucoup de pente après le trou, mais plus ça. Ouais, c'est vrai que si tu le rates, ça dégueule quoi. Putain, j'avais bien approché. Ouais, bien joué. Allez, merci. One up pour toi. Passe à one up, c'est cool. Allez, trou numéro 14 d'Honnery. C'est le départ le plus compliqué du parcours. On a un sacré corridor. Gauche hors limite, droite c'est le fairway d'à côté. On va tout droit pour ensuite aller à gauche et aller à droite. C'est un par 5 qui fait 440 mètres. Et Seb prend un coup rendu, donc c'est parti. Moi ici c'est toujours drive en léger fade.
traîne provisoire. Ah, il y a du vent, ça a amplifié le fade. Ah, écoute, elle est là. Ouais, mais c'est impossible de jouer. Au moins, elle n'est pas perdue comme ça. C'est vraiment chiant. Ouais, donc balle provisoire pour moi, hein, malheureusement. Ça va, elle est bien. Ah non, elle est revenue. Oh la chance, putain! Elle partait en drone dans la forêt et elle est revenue. J'ai vraiment du bol. Allez, on trouve Seb dans le rough. Il a au moins fait 80 mètres. Mais il n'a pas perdu sa balle et il a un coup rendu. Donc il ne va pas désespérer. Ouais, ça avance, c'est un bon lay-up. Ouais, t'es bien, tu utilises bien ton coup rendu, quoi. Nickel. Et donc ma provisoire est là, hein. Un arbre mal rendu alors qu'elle est partie en limite à gauche. Je vais prendre le bois 3 parce que de toute façon, si je joue celle-là, il faut avancer. Donc bois 3 en hook pour aller choper le fairway en fait à gauche. Elle est pas mal celle-là, hein. Bien enroulée comme il faut et tout. Ah ouais, c'est cool. On va retrouver Seb, hein. Donc là le coup c'est vraiment de se layuper sur la partie gauche là-bas. Et ensuite le green va être de nouveau par là-bas. Donc Seb fait en main, va se layup je pense. Ah tu vois là t'étais plus en rythme et tu l'as défoncé. Ouais, mais c'est pas là que... Par contre t'es dans le bunker mais tu vois dès que t'es en rythme... Juste avant je crois. Elle est sortie fort. Mais c'est pas là que je vise, tu vois. Ouais, mais elle est léger de roue. C'est un meilleur coup de hanche, enfin, c'est mieux, ouais, c'est mieux, mais... Donc ma balle est là, hein. Je suis en 4, j'ai encore 112 mètres pour le drapeau, vent de face, donc ça sera un fer 9. Et Seb est devant, lui en 3, il a un coup rendu. Donc c'est pas perdu, mais c'est chaud. Ah putain, elle sort à droite. Ah, bunker de droite, aïe aïe aïe. Bunker de droite. Je pense que lui va avoir 90 mètres. Pitch. Elle est bien sortie. Hein. Ah, mais c'est à droite aussi. Droite du green. Ah, elle court à droite, dommage. Tu l'as bien sortie pourtant. Ouais, celle-ci aussi. Allez, donc j'ai 7 sorties de bunker. On va essayer de la faire propre, hein, pour tenter de survivre. Je suis là en 5. Le problème, c'est que Seb est là-bas en 4 et il a un coup rendu. Quoi. Mais bon, ça n'empêche pas. Ouais, c'est pas trop mal fait. Hein. Donc le chip de Seb, je sens que le trou est juste là. Ouais, c'est bien arrêté. Ouais, c'est très joli, ça va être très compliqué de te battre. Allez, pour la beauté, donc t'es là en 5, je suis là en 6. Ça paraît compromis quand même. Oh putain, elle a manqué de force. Ouais, t'es là en 5, c'est donné Seb, c'est donné. De toute façon, ouais. Et ben on vient en square. Allez, trou numéro 15 de Donnery, on est Bacti. Hyper intéressant parce qu'ils ont abattu deux grands arbres qui étaient en face de nous. Du Bacti, normalement, c'était très compliqué d'aller directement au green. Hein, donc le green est là-bas en fait. Au-delà de la forêt, il y a un plan d'eau qu'on voit pas. Le jeu normal est d'aller par là-bas. Sauf que les arbres étant coupés sur cette ligne-là, les bons joueurs, hein, les gros frappeurs qui font au moins 200 mètres carrés au drive, peuvent passer au-dessus des arbres. Par exactement cette fenêtre-là. Donc c'est comme ça que j'ai joué, hein, deux jours de suite en Grand Prix. Et ça s'est bien passé, donc c'est ce que je vais tenter. Donc on est square avec Seb, il a l'avantage, enfin il a la mise en jeu. Et lui, ça sera un lay-up sur le fairway plutôt à gauche. Coup rendu ou pas? Non, pas sur celui-là. Pas de coup rendu. Je vais prendre le par 3 après. Là. Ça marche. Et le 18, j'imagine? Ouais, le 18. Ah, c'est dans l'eau ça? Non, elle peut rester. C'est bon, stop, arrête-toi. C'est bon, t'es au sec. T'es au sec! Allez, driver pour moi, hein, on va la tenter. Donc full power et assez haute. Eh non, ça prend l'arbre. À la flotte, bah, provisoire. Hein. Je viens jouer de là, je viens jouer de là. Comme souvent. T'arrives pas à la faire décoller, je... Tu sais, quand tu stresses, t'arrives pas à la faire décoller. Voilà, ça va y aller, ça. Le problème, c'est que c'est en 3, quoi. Ouais, celle-là est bien montée, elle a bien pris le vent, donc elle va être pas mal. Hein. Elle va être peut-être à 10 mètres du green, mais voilà. Il a encore un shot au-dessus de l'eau. Donc ma balle, elle est proche du green, hein, comme je l'ai dit, là-bas. On la voit pas, elle est à 10 mètres du green. En 3, Seb est là en 1.
Allez, attaque de green de Seb. Je me sentais tellement pas ce lie. Ouais, ouais, t'as l'ail en descente, c'est pas simple. Ah ouais, mais j'ai fait trop de la merde. Putain. Allez, nouvelle balle pour Seb. C'est même pas la peine de... Donc 2 à la flotte, 3 pénalités. Il va jouer 4. Il va jouer 4. Voilà, pas plus. Tu vois, ton coup d'essai là. Ouais, fais la même chose, ça suffit. Hein. Elle partira à 120 mètres. Regarde, putain, elle est magnifique. Ouais, elle, est elle est à gauche, mais elle est en draw, enfin. Elle est même trop longue, t'as vu? T'as vu, t'as pas forcé, t'as été trop long quoi. C'est vraiment de mal joué. Bon, comme prévu, ma provisoire est là. Hein. Donc à 10 mètres de l'entrée du green. J'ai 10 mètres d'avant green et 15 mètres de green, je pense. Je vais approcher au 52, pas la faire trop voler. Essayer de la faire un peu rouler. Ouf. Je crois qu'il va me la donner parce qu'elle a fait virgule. C'est un super chip. Vous voyez à gauche de l'écran ma balle, elle est donnée. Et Seb a ça pour égaliser. Donc moi je fais bogey et lui il a un putt pour bogey de 10 mètres. C'est rentrable hein. Non. Elle est donnée pour double. Ah j'en ai mis pour... Allez donc j'ai sauvé un bogey miraculeusement par un chip superbe. Mais bon... Seb, voilà quoi, il l'a mise dans l'eau. Bah, ça arrive, hein, c'est comme ça. Donc je prends le trou et je repasse one up. Next. Allez, le par 3 des enfers, 180 mètres drapeau. Ce sera un hybride pour moi. On a le vent un peu de face. Donc hier, le départ était un peu plus loin. On avait 185 mètres, j'ai pris l'hybride. J'ai touché le green et deux potes, par. Ah, c'était bien. Royal. Et j'étais en phase où je devais doser mon. Parce que j'avais bien scoré avant. Et j'étais entre guillemets en train d'assurer. J'ai quand même joué le jeu, tu vois. C'est ça qui était ouf. Tu joues ton jeu, tu prends un peu de risque quand même, tu vois. Pas trop non plus, mais tu joues pas à pouce babal comme les vieux, quoi. Ah, tu passes en dessous. Elle est belle. Elle est belle, la taupe de la gratte. Allez, on trouve Seb, hybride également. C'est tellement mal tapé. Ouais, c'est topé, mais c'est droit. Tu vas finir à droite du green, je pense. Ouais, ouais. Tu auras un chip au-dessus des bunkers. Allez, donc je me retrouve là, hein. C'est la première fois depuis très longtemps que je gratte un départ. 70 mètres drapeau, on va mettre un 3 quarts de 52. Ça a l'air pas mal parti ça. Ça a l'air pas mal ça. Hein. Ah, ben. C'est un peu long mais c'est plutôt pas mal quand même. Ouais, petit chipping au-dessus du bunker pour aller au drapeau. Hein. Ma balle on l'aperçoit, elle est pas si mal, un peu longue, dommage. Ouais, bien chippé. Très beau chip. Ça roule un peu, c'est dommage, mais tu vois, il y a concours de potes là. Allez, donc je suis un peu mal. Hein. La balle de Seb est là. Il a 2 mètres, 2 mètres 50. Moi, j'ai 3 mètres 50, 4 mètres. Et il a un coup rendu. Donc c'est ultra tendax. Faut que je rentre le pote et que je lui mette la pression. C'est parti. Ah, c'est bien pété, hein. Mais je t'ai pas donné, Seb. Ouais, j'ai... Allez, bogey. Allez, Seb, pour prendre le trou, c'est faisable, hein, et revenir à square. Ouais, joli. Allez, all square. Ouais. Allez, trou numéro 17 de Donnery, départ intéressant, un back-tee. On est complètement placé sur la droite. Le fairway, en fait, est en face. Donc la trajectoire idéale, c'est vraiment de partir à gauche, faire un petit fade pour revenir au fairway. Il est pas très loin, il fait 300 mètres. Ce qu'on voit pas ici, c'est qu'il y a un bunker ici, au 135, et un autre de l'autre côté du fairway. Et honneur à Seb. Ah oh non. Reviens. J'ai joué en fade, il est parti tout droit. Ouais. Ah, le gros rock là-bas. Ah, ça va être compliqué. T'en mettras une provisoire, hein, parce que là... On s'arrive. Tu voulais faire un fade, j'imagine. Ouais, mais... Je m'étais trop aligné à gauche, mais en plus ça n'a pas pris de pied du tout. Allez, bon, pour ma part ici, moi mon jeu c'est le drive en fade hein, tout simplement. Ce que j'ai fait au GP, c'est bien passé. Ah, ça peut aller, c'est un poil 3 droite et encore. Non, ça va. Je crois qu'elle est passée. Elle est peut-être dans le bunker. Tout, ouais. Peut-être bunker, mais c'est bon. Allez, provisoire pour Seb, bois 4 toujours.
Et bah celle-là, elle est bijoux. C'est parce qu'elle va, elle est basse, elle va bien rouler en plus. Ah, c'est... Et tu l'as bien contacté. Hein. Waouh, super balle. Allez, Seb a retrouvé sa balle. Il est là-bas dans le gros gros rough sous les bois. Il va essayer de nous la sortir d'ici. Elle n'est pas sortie du tout. Je crois qu'elle est restée enfoncée. Aïe aïe aïe. C'est bon, il l'a retrouvée. Allez, deuxième tentative. Ouais, c'est sorti. Écoutez, sur le fairway. Allez, on retrouve Seb, hein. Il est en 3 milieu du fairway. Il est dans les 135. Je pense qu'il y a 110 mètres entre green. Et je pense qu'il y a un bon 120 drapeaux. Ouais, ça part plutôt bien. Hein. Direction du green, très léger draw. Magnifique. Sur le green, magnifique Seb. Peut-être juste avant, mais magnifique. Et quant à moi, je suis juste là, mais j'ai passé le bunker trop sur la droite. Donc je vais être gêné par ces branches-là. J'ai encore 100 mètres au drapeau. Donc ce sera un fer 7 en balle basse. Essayer de choper l'entrée du green et ne pas tomber dans le piège des bunkers. Quoi. Ah, c'est ça. Hein. Bah ouais, c'est un peu fort. Ah putain, ça roule. Ah dommage, elle a trop roulé et ouais. Je crois que je suis sorti du green. Mais l'idée était là. J'aime bien l'idée. Ma balle est rough, hein. Proche du green, drapeau est juste là. Je vais avoir un flop shot, pas forcément évident parce que là il y a s'enterrer. Mais je les adore ceux-là, c'est mes coups préférés, les petits lobes du rough. Allez, c'est parti. Ah dommage, j'avais pas le choix, hein. Fait que je mette de la vitesse, elle était à s'enterrer. Elle est sortie un poil forte, je vais être à 2 mètres quoi. Allez, on va retrouver Seb hein, qui est en avant du green. Et il a ce long putt. Pour sauver donc son bogey puisqu'il est là-bas en 4. Ouais, c'est pas trop mal dosé. Ouais, c'est pas mal fait hein, pour la distance. C'est vraiment bien fait. Ouais, donc j'ai ce pote pour le par, 2 mètres à peu près. C'est bah, 1m50 à 1m30 pour son son double bogey. Bon, ce que je te propose, pas de suspense, je la rentre direct. Ah, comme ça, tu pourras me donner les deux potes quand même. C'est vrai, t'as raison. Ouais, parce que là, il faut que tu fasses 3 putts, oui, oui, oui. Non. C'est pour jouer, mais ouais, c'est... C'est vrai, t'as raison. Je préfère la rentrée directe, puis ça. Voilà, comme ça. Ah, parfait, il n'y a pas débat. Bien joué, approche-toi. Merci, allez, pars. Ah non. Ah, il a manqué. Plus forte, celle-là, à rentrer. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, donc on est au square, je repasse one up, mais Seb a encore une cartouche, on arrive sur le 18, où il pourra utiliser son coup rendu, et après le 18, il restera 3 trous, 1, 2, 3, puisqu'on joue sur 12 trous. Allez, trou numéro 18 de Dunry, vous le connaissez, on a exactement 400 mètres, départ blanc, donc ici, il faut essayer de mettre un bon drive, ne pas aller trop à gauche car c'est hors limite, et ne pas aller trop à droite car il y a un bunker, et faire de la distance pour choper en régule. Ah, elle part à droite mais elle revient pas. Hein. Ouais, je vais pas être trop mal. Ouais. Je vais pas être trop mal, ça va. Allez, Seb, pareil driver. Putain, mais c'est tellement nul, putain. Bon, t'as passé les rouges. Ah, je suis complètement en arrière. Non, mais j'ai... Allez, on retrouve Seb hein, qui a encore fait au moins 80 mètres au départ. Hybride, pour essayer de se remettre dans les 135. Il a un coup rendu, hein, donc c'est pas du tout perdu. Allez, c'est bien, ça avance, faut que ça roule. Ouais, t'as pas un live facile aussi. Bon, t'es quasi au 135. Allez, reste dedans là. Puis rough de droite, hein, donc encore à 180 mètres entrée green. Ma balle est pas trop mal layée. J'ai le vent qui est avec, donc je vais tout simplement tenter de la sortir à l'hybride en essayant de réaliser un tout petit fade. Donc elle part un petit peu sur la gauche du fairway et elle revient en green. En espérant toucher la régule. C'est parti. Oh putain, c'est le shot. Ah, c'est le shot que je voulais. Stop. Ah non. C'est le shot que je voulais. Elle est juste partie trop à droite et elle a pris le bunker de droite du green, mais c'était le shot. Très content. Et on retrouve Seb, hybride. Pareil, 180 mètres du green. Elle part partie droite. Elle est pas trop mal tapée, mais écoute, ça roule. Tu vas être à hauteur du green, mais à droite, derrière le bunker. Le drapeau est encore à 30 mètres, je pense. Donc il est là en 3, mais il a son coup rendu, toujours.
bah c'est très bien fait ça. Oh oui. Ah dommage qu'elle s'arrête pas parce qu'elle est très bien faite. Joli Seb. Eh, quant à moi je suis là un bunker de green à droite hein, comme je vous disais, à hauteur. Je suis là en 2, mais avec le courant but de Seb ça fait 3, donc il met vraiment la pression, il faut vraiment que je mette proche drapeau pour être certain de pouvoir faire au moins square sur ce trou. C'est parti. Ah non, j'aurais dû en mettre plus, tu vois. Ouais. J'ai hésité, hein. J'avais peur qu'elle sorte trop forte, mais en fait... Il va donc rester du boulot, hein. Heureusement que je pote bien. Et que ça me fait pas peur. Oh non, il va en manquer. Oh, je suis deg. Oh, je suis deg. Parce que je l'avais, cette ligne. Allez, bogey. Seb a un pote pour égaliser sur le match. Ah, est magnifique. Ah, elle est tombée, tellement énervant, mais tellement magnifique. Joli Seb. Ouais, c'est cool. Ah, c'est disputé là. Hein. Ouais, All square, il reste 3 trous, mais Seb n'a plus de coup rendu cette fois. Fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Allez, next. Ça a joué sur le 1, 2, 3 de Donnery, donc trou numéro 1 par 5 de 433 mètres aujourd'hui. Pas compliqué, c'est tout droit, c'est assez large. C'est vraiment un trou normalement donné. Hein. Et j'ai trouvé le moyen de faire boguer les deux jours du Grand Prix. J'étais un peu deg, mais bon, c'est comme ça. Allez, donc Seb à la main, son pote l'a relancé, mais maintenant il n'y a plus de courant du Seb. Non, c'est fini. Il n'y a plus de cadeau là. Oh, il met un trait. Il met un trait, ça y est, il est chaud. Ça y est, il va être chiant là. Joli. Allez, quant à moi, pareil, on va essayer de driver partie gauche du fairway. Allez. Faut pas oublier qu'en ce moment je joue bien aussi. Hein Seb ? T'es où ? T'es sur la gauche là-bas ? Je suis plus loin que toi, j'ai atterri plus loin que toi là où tu es actuellement. Donc là, voilà. Je veux plus que tu la ramènes. Non, j'ai fait un bon drive. Allez, on retrouve Seb, plein milieu de fairway. Un petit layup pour rentrer dans les 135 avec son hybride. Il a repris la confiance là depuis tout à l'heure. Il est énervant. Elle est magnifique. Ça y est, il est lancé. Ton pote, ça t'a relancé un truc de fou. Il y a le vent contre, hein, c'est pour ça qu'elle avance pas, mais... C'est vrai que là, c'est mieux. Baby draw, enfin, magnifique. Ouais. Putain, le match est pas gagné, hein. Je savais que Seb, à chaque fois, c'est comeback, c'est énervant, parce que... On croit le tenir, tu vois, pour qu'il... Ça mais en fait, non. Parce que même moi, je préférais 3-up. Oui. Oui, je sais que tu préférais être 3-up, mais bon. Au lieu de revenir... Si t'avais pas merdé comme une daube, là, avec ta balle dans l'eau. Ouais, hein, voilà, par exemple. Voilà. Et que... Mais bon... Pour ça, c'est un style qui énerve tout le monde. Bah, c'est un style qui énerve tout le monde, quoi. Il est énervant. Je suis là, j'ai peut-être 2-10 entrée green. Je vais l'attaquer au bois 3. J'ai aucune chance de faire à distance, c'est pas le jeu, mais Seb m'a trop énervé. Est-ce qu'il attendrait pas que ça, en fait, que je fasse une erreur, que je joue pas avec humilité ? Ah, tant pis, allez, je vais attaquer au bois 3. C'est parti. Je vais peut-être le regretter. Hein. Si je pouvais quoi, pardon ? Je vais la mettre dans les bois. Tu crois qu'avec un swing détendu comme ça, je vais la mettre dans les bois ? Tu crois vraiment ? Je tiens une balle parfaite mon gars. Ah elle est bien. Ah elle est mal tapée hein. Ah elle est un peu à droite en fait. Je la voyais pas aussi à droite. Non ça va pas, elle est rough. Ouais droite. Ça va, elle est pas perdue. Elle est rough de droite, bon. Mal tapée mais ça va. J'avais quand même pas la perdre. Allez Seb, à une centaine de mètres du drapeau je pense. Prends ta jumelle quand même hein, parce que là il y a de l'enjeu. Allez 112 mètres drapeau. Ah, je suis obligé de le cadayer pour qu'il joue bien. Sous l'arbre, pas super bien laillé, même très mal laillé dans un trou. J'ai encore ça pour aller au green, ouais, c'est pas évident. Hein. Le coup de bois 3 était peut-être pas le jeu en fait. Ouais, évidemment que non, hein. J'aurais dû faire un fer 7. Bah allez, j'ai l'angle hein, pour décoller, je pense que je vais essayer de la lober au 58. De toute façon, il n'y a pas le choix. Non, c'était pas le jeu. Ah, c'est dur. Ah, je sentais pas, j'aurais pas dû en le faire. Temps, tu peux pas rouler à si, si, je peux rouler, mais me mettre safe à droite, quoi, putain. Je suis vraiment pas bien, je suis à l'arrière du green. J'ai encore un bon type à faire, sachant que le drapeau est entré, et j'ai très peu de green pour m'arrêter. Allez, on va essayer de faire le lob, mais Seb reprend de la confiance, là, c'est pas bon. J'aurais jamais dû jouer au bas 3, en fait. T'es prêt, je vais te faire rêver. Ah, il manquait peu de choses, hein. Ah, il est pas si mal, hein. Il manquait vraiment peu de choses. J'ai atterri peut-être 20 cm trop avant le green.
Allez, c'est pas grave, on a un pote quand même. Donc on retrouve Seb hein, pour son chip au-dessus du bunker. Pas un chip évident, il est du rough. Il est là-bas en 3 lui aussi. Moi je suis ici en 4. Donc on va voir s'il arrive à sauver les meubles. Eh, ça part très bien. Ah, il y aura match de potes. Ah, c'est disputé. Hein. Ouais. Ça va être disputé. Ah, attends, c'est pas plus mal parce que franchement, de là. C'est... Ouais, c'est un super chip que t'as fait. Hein. De là où t'étais, vraiment, bien joué. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pire, en fait. J'avais juste sauté après. Tu me fais un petit sourire là ? Ça sent que t'es mieux là quand même. Hein, hein ? Allez, concours de potes. Avance. Ah, il restera du boulot. Hein. Putain, c'est disputé là. Alors les greens, pour mon excuse, ne roulent pas aussi bien qu'hier, hein. Ils ont pas tendu, donc c'est pour ça que je reste un peu court. Allez Seb, une occasion de partir one up. Ah, c'est bien fait, hein. C'est très bien fait. Ah, allez, donnez. C'est donné, moi, faut que je finisse le boulot. Tu vas m'obliger à m'appliquer là. Ouais, ça va, il y a 50 cm. Ouais. Non, il en faut plus. Il en faut plus ouais, pour faire sembler. C'est, score, c'est chaud, hein, toujours square. Putain, mais il reste deux trous. C'est vraiment un match accroché là. Allez. Eh ben allez, on est toujours square avec Seb, hein, il a l'honneur. Trou numéro 2 de Donnery, donc par 4, 340 mètres, léger de glaque droit. Le green est par là-bas, derrière ces arbres, ici. Et on va voir le magnifique swing de Seb, qui a repris confiance, tout smooth. Ouais, elle est droite comme un i. Ça va rouler, c'est parfait. Superbe. Superbe. Allez, pareil, driver pour moi. On va essayer de viser la partie gauche du fairway. Ouais, bien. Qu'est-ce que t'as dit ? Allez. Il en faut plus que ça pour mettre la pression. Je l'avais un peu, il a bien réussi son drive, mais je suis toujours là. Deux très bonnes balles, on est bien rentré dans les 135, on doit être à 110 entrée du grid, moi je vais être 20 mètres devant là-bas. Donc deux bonnes balles, de bons drives. Ça reste accroché, ça fait plaisir. Tu veux la distance ? Allez, je vais te caler parce que... Ouais, j'hésite entre 7 et 8, quand je vais prendre 8, là, tranquille. Quitte à rester dans le début du green, tu vois. Le mec green. Tellement confiant et arrogant qui dit ouais c'est bon, je vais faire un match play contre Thomas, pas la peine de prendre la jumelle, ça suffit. Là normalement j'ai ma montre en plus, très bien. Mais... J'ai oublié. Exactement à 124 mètres du drapeau. Ouais, tu vois, allez, très bien contacté. Ah, gauche, elle est un peu à gauche. Le vent vient, on est un peu à gauche, mais à la limite longue. Ah, ouais, tu l'as. Il pousse alors. Il pousse un peu, il emmène ah, un peu à gauche. Non, il m'a dit des conneries. Quoi? Non, je t'ai. Ah non, le vent il pousse. Ouais, attends, ouais. Je veux bien te cadiller pour la distance, ah, mais t'es assez grand pour lancer une brindère en l'air, mon gars. C'est pas possible. Ah, ouais, le vent il pousse. Cool. Mais franchement, tu vois, t'étais relâché et elle est partie, mais super fort. Ah, le caddie, normalement, il dit distance et vent. Mais je suis pas ton caddie, mon gars. Non, mais le contact était royal, quoi. C'est... Allez, je suis exactement à 100 mètres du drapeau. Je vais prendre le pitch parce que je sais qu'au 52, même en forçant, je l'aurais pas. Donc ce sera un 3 quarts de pitch. On va vraiment essayer de rythmer. Ah putain, ça va être court à droite. Oh non. Ah, va mieux. Pas le droit de me rater comme ça. Décidément, ce green, j'arrive pas à le choper en régule. On va l'approcher au pitch. Je vais la faire rouler au pitch pour être certain de pas faire de grosses bêtises. Elle est un peu fusée, dommage, c'était la bonne ligne. Parce que Seb a un pote là pour approcher. Moi je suis pas hyper bien, je suis à 3,50 m. Ah là là. Oh ah ça va être court. Oh ah quel dommage, ah non. Putain, mais... Ah c'est très sympa de. C'est très sympa de me laisser revenir Seb. Merci beaucoup. Du coup on aura un concours de potes encore une fois. Oh là là. Oh là 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 là. Merci beaucoup. Oh, mal joué. Ah bah je l'avoue là, putain, t'as les moyens de faire. Ah je l'ai je sais pas. T'as gratté ton pote ? Non, non, mais j'ai pas mis l'intensité qu'il fallait, quoi. Je sais pas comment j'ai fait mon affaire. Oh putain. Ah putain. Allez, ça va donner. Allez donc Seb à ce pote pour passer one up et être dormi sur le match. Mais il n'y aura pas de dormi, il y aura un playoff. Ça tu l'apprends maintenant. Il n'y a jamais d'égalité sur mes matchs. Ah je suis pas au trou. Allez donnez. C'est pas un mauvais pote mais pas la ligne.
Allez, toujours all square, tout va donc se jouer sur le dernier trou. Ça, c'est serré jusqu'au bout là. Allez, trou numéro 3 de Donnery, par 3, 160 mètres aujourd'hui, drapeau fond de green. On est all square avec Seb, rien ne va plus. Pression au max. Oh là là, mais c'est tellement dégueulasse! Putain, mais c'est tellement dégueulasse! Mais comment tu fais pour faire ça? Ah, elle est très moche, mais elle est pas perdue. Putain, c'est tellement pas. C'était quoi? C'était une socket? Non, c'était pris aux pointes. Allez, on va essayer de profiter de l'erreur de Seb. Oh, c'est mal contacté, mais. Ah, bunker. Bunker de gauche. De toute façon, t'es pas au départ, celle-là. Alors, Seb est parti se mettre à droite, là-bas, sachant que le green est juste là. Moi, je suis dans le bunker, juste ici. Donc, on va voir ce qu'il va nous proposer. Est-ce qu'il va tenter de passer plutôt de ce côté-là, ou alors venir vers moi? Il est en train de réfléchir. Donc, le choix est fait. Il va tenter de se dégager vers moi. Ouais, c'est bien sans... Oh! Ah là 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 là! Il a accroché un peu. Je pense qu'il aura son angle. Il a encore accroché un peu. Allez, Seb, pour essayer de toucher le green. Ouais, ça part pas mal. Ça roule. Ouais, c'est pas mal fait. Hein. C'est pas mal fait, Seb. Allez, quant à moi, j'ai 7 sorties de bunker. Faut vraiment que je la joue mieux que la précédente. Allez. À peu près 10 mètres. C'est parti. Ah putain, c'est pas terrible. Hein. Ah là 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 là. J'ai du mal. J'ai du mal. Bon allez, deux balles sur le green, à peu près au même endroit. C'est une fin de parcours très laborieuse. Sauf que moi je suis en 2, lui il est en 3, donc j'ai un petit avantage. Ah putain! Vas-y, donnez pour boguer. Allez, donnez pour boguer. Donc là c'est simple. Seb est condamné à rentrer spot s'il veut rester square et arracher un playoff. Ah, c'est bien tenté. Putain, tourner comme ça. Ouais, t'avais pas la bonne pente. Bon, bien joué, Seb. Ah là là, vas-y. Encore une fois. Putain, qui est double bogey pour finir. Mais c'était accroché jusqu'au bout, c'est ça qui est bien. C'est sympa. Que. Il revient toujours au score par un moyen. Ouais, c'est ça, ouais. Un peu détourné. C'était sympa, mais. Ouais, c'est toujours la même conclusion, quoi. Non, donc, mais c'était. T'as l'air de perdre, c'est ça que tu veux dire. Ah non, mais c'était bien, franchement. Non, c'était cool, sympa. Vraiment. C'était accroché. Il y a des beaux drives, surtout sur la fin, là. C'était cool. Sympa, ouais. Bah écoute, bah re-bienvenue sur YouTube, hein. Ça fait longtemps que t'étais pas passé. Ouais, à bientôt. On t'a moins entendu rager aujourd'hui. Ah ouais, ouais, non, mais. Y a... Mais j'espère que ça reviendra. Allez, ciao. Allez, ciao.